Sauvegarde. En ce moment, si je comprends bien, tu sais qui est là-bas, dans la forêt. Oui, c'est mais ça. Il est faible. Il survit grâce aux licornes. Mais s'il réapparaît, tu ne crois pas qu'il va essayer de te tuer? S'il en avait eu la possibilité, je pense qu'il m'aurait tué cette nuit. Et moi, quand je pense que je m'inquiétais pour mon cours de potion, on doit apprendre à créer l'antidote pour les poisons courants. J'espère que t'as trouvé tous les ingrédients. Eh non! Parce qu'il faut que je les cherche. Et Ron et Hermione, les autres, comment ils font pour choper les ingrédients, hein? Vous m'expliquez? Parce qu'ils font pas ce que je fais, moi, hein. Allez, on y va. Ce portrait, vu direct, vous savez, quand vous passez comme ça, il me fait penser à celui de Capaldi, le nouveau... What? Est-ce que je pouvais passer? Le nouveau docteur, dans Doctor Who. Celui-là qui arrive dans la saison 8. Et pour ceux qui ont... Putain, je vous ai spoilé. Merde, pour ceux qui n'ont pas vu les... qui en sont par exemple la saison 4 ou 5. Je vous ai spoilé, nananère. Oh putain. Obligé d'attendre que ça se termine. Toujours pas? Voilà. Ça. Bon, maintenant tous les trucs cachés et tout, je m'en bats l'œuf vu que j'ai déjà tout ce qu'il faut. Voilà, alors ensuite... Allons-y, Alonso. C'est ici. On va récupérer les deux livres. Il y en a un ici. Je me rappelle. Les poules piquées. Et l'autre qui est ici. C'est le mucus de. Enfin, le verre de crasse. Allez, on les fait. Et voilà. Oui, elle est grenouille. Ça ressemble à un verre à crasse. Oh. Glissando.
Ça doit être un verre à crasse. Mais comment récupérer le mucus? Nifando! Ah, c'était comme ça. Nifando! Nifando! On peut pas se casser ce qui est au-dessus. D'accord, on est obligé de descendre. Là, et puis on... Voilà. Oh merde, il m'a explosé dessus. Boum. Et voilà, on a le mucus. C'est aussi simple que ça. Et puis il ne manque plus que les ailes de saut piqué là. Enfin, poule piqué. Saut piqué, c'est la marque là de. Le thon saut piqué ou je sais pas trop quoi. Voilà le mucus. Ça ressemble à de la mousse à raser. Le mucus de verre à crasse. Après, je pense qu'il faut tuer tous les compliqués là. Ouais, c'est bon. Ok, il faut descendre maintenant pour les poules piquées. Ah, et là, mais il est là, on dirait. Alors, ça mène où là? J'aimerais bien descendre moi, si c'est possible. Comment je fais? Ouais. Comment on fait pour descendre? Ah, il y a un autre chemin là qui... ou pas? Non? Ils sont pas sérieux. Lumos! On doit casser quelque chose ou quelque chose ou un truc comme ça, non? Lumos! Lumos! Ma foi. Je vais regarder juste dans le livre des... sans... Voilà, ingrédients pour la potion. Qu'est-ce qu'il faut? Donc ça c'était ce qu'il nous fallait pour avant. Et maintenant, voilà, il nous manque les spores de Puffado. C'est quoi cette maison là? Tu vois qu'on peut passer par là? Ah! Je vois! Je vois, je vois. Vous vous souvenez là les deux trucs avec le. Où il fallait balancer le Nintendo là? Les deux torches entre guillemets? Faut aller là. J'avais oublié donc. Du coup, je me mets le Nintendo en rond.
Incendio. Incendio. Et voilà. Là, on rampe. Là-bas, ça va nous faire sortir par la maison. Je sais pas si vous vous rappelez là, ce que je vous ai dit là, qu'on avait descendu par là. Et là, nouveau monstre entre guillemets, les pufapodes. Tu peux éliminer un pufapod, enfin les pufapodes, avec un flipendo. Prends garde à leur spore. Elles créent un nuage de fumée empoisonné. Ok. Juste avant, je sauvegarde un petit coup. Alors là, le 69% ça veut rien dire, parce qu'il y en a qui ont fini le jeu, qui ont tout récupéré, donc tous les objets comme j'ai fait, et qui ont vraiment tout eu. Ils en sont à 83%, donc... Est-ce que je suis revenu en arrière là par hasard? Oui, je suis revenu en arrière, c'est bien ce que je me disais. Voilà. Coffre, j'ai pas besoin. Coffre, j'ai pas besoin. De rager, je suis full, j'ai pas besoin. Ah. Ils sont là, les pufapodes. J'ai cru que le jeu il avait planté. Qu'est-ce qu'on a dans la maison? Normalement on va avoir un petit coffre avec des ennemis. 3. Plus que 3. Allez, ramasse, voilà. Non, c'est non 3, c'est bon. Ah, ok, d'accord. Ça nous ouvre ça. Alors, j'ai bien fait de rentrer dedans. Et ça se referme. Je dois trouver un endroit où mettre ces gnomes. À la mort aux épines, au pain grillé. Oh merde. Curie. Grotte de nez. Affreux, au vomi. Quoi, il m'en a enlevé 5. Grotte de nez. Au choc, à la marmelade, au chocolat. Viens là, petite grenouille. Merci. Faut se faire ça un par an en fait. Oh putain! Rock, 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 rock,
Là. Incendio. C'est super facile les battre. Allez, le dernier. Oh merde. Incendio. Et voilà, c'est fini. Je m'en mets. Voilà, je récupère ça. Je suis full life, ça y est. Là, il n'y a rien. Ils sont là. Ah, mais il y a les... ce piquet là. Je sais plus comment il s'appelle. Et voilà. Et le dernier. Et c'est fini, et on peut rentrer. On peut redescendre par là? Oui, on peut redescendre. Normalement, c'est bon, on a ces trois ingrédients. Ouais, on a les trois. Allez! On va au cours de potions. Je vais récupérer un coffre parce qu'il manque de la vie. Une pâte à citrouille! Ça me met full life au moins. Je sauvegarde! Chose que je vais faire maintenant. Tout le temps. Ok, sauvegarde sur l'autre emplacement aussi. Je me mets mon balai. Allez, balai, balai, vite, vite. Voilà. Oh, Roi Nimer étendu, il est si gentil.
Et puis il s'est téléporté. Vous avez réuni les ingrédients nécessaires à l'antidote pour les poisons courants. L'antidote pour les poisons courants se trouve dans ce grand chaudron. Vous pouvez en remplir votre fiole quand vous en avez besoin. Match de Quidditch contre Serpentard aujourd'hui. Ah, il y a match ? Bonne chance. Ah oui, c'est vrai. Maintenant que vous avez fait vos preuves contre un troll, un match de Quidditch devrait être un jeu d'enfant pour vous. Même si vous affrontez mes élèves. Moi, il y a un truc qui m'intrigue, c'est de savoir ce qu'il y a dans l'autre pièce. Est-ce qu'on a une fiole en plus? Parce que... Bon, Zero Kick... Ah, cool. Par contre, cette fiole, je vais l'utiliser pour... Ah, c'est vrai, on peut pas remplir ici. Est-ce qu'il y en a besoin vraiment? Je suis pas trop sûr. Hein. Je suis pas trop sûr. Je vais donner 8000. Ah merde, on peut pas sortir par là. Elle est où cette porte? Elle est là. Ah non, je vais pas prendre le Namuse de ville maintenant. Je vais aller dans la salle à côté pour savoir ce qu'il y a. D'ailleurs, des cages, je me demande pourquoi. Ce qui est effrayant, c'est Rogue en train de sourire. Match de Quidditch contre Serpentard, hein? Ils vont tomber de haut si on gagne. J'espère que ce n'est pas toi qui va tomber de haut. Viens, Harry, suis-moi. Ouvre. Et on va faire ça. On va passer tout le long. Parce qu'il y aura un coffre. Incendio. Incendio. Voilà. Et ouais, d'accord, c'est censé faire quoi? Est-ce qu'il y en a un quelque part qui est caché par hasard? Incendio. Oh putain. Incendio. Et de 1. Incendio. Et de 2. Faut faire en même temps. Ici, y a rien du tout. Et là, il y a un coffre avec une carte. Ça, c'était obligé. C'est une carte ou un paquet de cartes, je sais pas. Une carte. Une carte de sorcier. Ok, donc maintenant je vais me prendre le Nimbus 2000. N'est-ce pas? Allez, sort. Vous savez quoi, on va se prendre l'antidote contre les poisons. On va se...
On va se prendre la... Quoique non, je le garde. On sait jamais. Je garde, je vais voir une première fois selon ce que j'ai besoin. Si par exemple, durant les épreuves du boss final, je suis empoisonné. Moi, ça me sert. Si je vois que ça me... Il n'y a pas besoin, ben, je prendrai une deuxième potion Vingaved. Remarque, j'en ai pas besoin. Vous savez quoi? Fuck that shit. On va se remplir notre fiole de potion Vingabel. Il faut que j'aille au terrain de Quidditch. J'y sais, faut que j'y aille, mais. Je fais ce que je veux. Allez, on monte. C'est ici. Bon, les gars, j'ai pas le temps de m'amuser avec vous. Ah, d'accord, je peux pas la remplir. Donc c'est pas ce qu'il faille que je l'ai... Enfin... Mais d'où je suis bloqué mais... Voilà. Ah non. Oh putain, je suis obligé de... Oh, fais chier. Bon. Alors, on va vite faire tourner au cachot, vous savez quoi? Désolé d'avoir fait ça, du coup on a perdu du temps pour rien. Allez, on descend l'escalier, les petits cachots. On redescend l'escalier, on redescend l'escalier, on ouvre la porte. Coucou Hermione, qu'est-ce que tu fais ici? Tu viens pas avec nous? Viens Harry, on va au terrain de Quidditch. Ouais, mais toi tu restes là, t'es con en même temps. Allez. Je pense que d'ici une heure, on a fini le jeu. Une heure et demie. Donc, Ron il est là, on va voir. À tous les coups, il va se retrouver là-bas, il s'est téléporté. Ah non, ça va. Qui nous parle depuis le terrain de Quidditch.
où va se dérouler la rencontre de l'année. Serpentard contre Gryffondor. Les deux équipes semblent d'attaque, mais il n'y aura qu'un seul vainqueur aujourd'hui. Tout le monde attend cette rencontre avec impatience. Moi le premier. Voilà le vif d'or. Et Potter le poursuit. Potter passe devant. Passer dans les cercles. Ouais, je l'ai eu. En 10 secondes. Je ne sais pas ce que fabrique Harry. Je me demande s'il a pas perdu le contrôle de son balai. Vous croyez que le balai a pris un coup quand Flint a bloqué Harry? Impossible. Y a que la magie noire qui puisse dérégler un balai. Aucun élève n'arriverait à faire ça à un Imbus 2000. Ouais, je l'ai eu. Enfin, j'espère. C'est Rogue. Il jette un sort à son balai. Mais qu'est-ce qu'on fait? Je m'en occupe. Alors, dernière partie. Ouah! Mais c'est tout petit. Oh, j'ai raté. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ouah. Il a retrouvé le contrôle. Oui. Oh putain, j'ai pas vu. On dirait que son balai agit selon sa propre volonté. Il reprend le contrôle. Mais putain. Oh, c'est juste horrible les contrôles. Réception d'Angelina Johnson pour Gryffondor. Il ne peut plus le voler. Il a retrouvé le contrôle. Ouais, j'ai retrouvé le contrôle, c'est génial. Donc quand ils disent il perd le contrôle, c'est normal, on est soumis sous le sort de Rogue entre guillemets. Vous allez comprendre à la fin du jeu. Ah, c'est juste horrible cette partie. Allez, c'est aussi ce serait là. Putain, je suis pas passé dans le truc, fiche. Moi non plus. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il a retrouvé le contrôle. Ouais, mais vas-y, mais mets le plus bas. Thank you.
Je l'aurai un jour. Johnson a dû le sentir passer ce tacle. Même d'ici, j'ai senti passer ce tacle. Les poursuiveurs se passent le soir. Il perd le Mais... contrôle. Un tir au but. Cet arrêt restera dans les annales. Il a retrouvé. Mais tu te bouges, Hermione Ça va, j'ai compris. Mais putain! Qu'est-ce qu'il fait? Il a retrouvé le contrôle! C'est horrible, hein. Flint, un tir au but! Le tir va donner du but! Potter se faufile en tête! Mais qu'est-ce qu'il fait? Il a retrouvé le contrôle! Ouais, pas vraiment. Potter, essaie de passer devant! Oh, ce poignard a frappé la cible de plein fouet! Et Potter, mais qu'est-ce qu'il fait? J'ai marre, il me faut retrouver et retourner au milieu à chaque fois. De son trouble. On dirait que son balai agit selon sa propre volonté. Même d'ici, j'ai senti passer ce tacle. Harry Potter contrôle très bien son balai. Il reprend le contrôle. Les poursuivants se passent le soir. Et Gryffondor marque. Et Potter, mais qu'est-ce qu'il fait? Putain. Sachant qu'on va bien rager sur cette partie. Enfin, moi, je vais rager. Se passe le soir. Flint. Cet arrêt restera dans les annales. Il ne sait plus voler. Choc épouvantable pour Potter. Il tombe. Oh, ça va faire mal. Bon, allez, recommence. Potter est remonté sur son balai. Il est à sa portée. Potter passe devant. Il va falloir qu'il se rapproche encore. Un tir au but. Il faut que Potter regarde où il va. Mais d'où je l'ai raté? J'étais dessus, putain. Et tout le temps, quand ça tourne, il reprend le contrôle. Potter se faufile en tête. Flint, un tir au but. Il faut que Potter regarde où il va. Il frappe. Le tir va donner du but. Il est à sa portée. Il va falloir qu'il se rapproche encore. On dirait que son balai agit selon sa propre volonté. Les Serpentards vont vraiment s'en mordre les doigts. Allez, je vais la voir. Potter est tout prêt. Oui. Incendio. Aïe!
Allez. Et joli. C'est dommage. Qu'est-ce qui est dommage? Il a attrapé le vif d'or. Voilà, je suis le grand champion, nanana, c'est génial. Bien joué, Harry. Merci, Hermione. Harry! C'est Rogue qui a fait le coup. On l'a vu, Hermione et moi. Il était en train de jeter un sort à ton balai. Il te fixait des yeux en marmonnant des formules magiques. Je sais reconnaître quelqu'un qui lance un sort, j'ai tout lu là-dessus. Il faut qu'on aille voir Dumbledore. Viens, Harry, on y va. Ok, donc sauvegarder.